Alors le boss est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, niveau vie, on n'est pas bien. Après, on peut le tenter, mais 4 points de vie, c'est un peu juste. 4 points de vie, c'est un peu juste. Sauf que après, c'est risque de perdre plus, quoi. Donc bon, du coup, je sais pas trop. Je pense qu'on va peut-être fouiller un peu quand même. Oula. Oh, c'est une belle salle nulle, ça aussi. Oh putain! Elle a l'air tellement bizarre cette plateforme, ça donne tellement pas la confiance. Je me dis, tu vois, il va y avoir un truc de merde dessus. Non, ça. C'est-à-dire que chaque salle, c'est une chance. C'est une chance d'avoir un beau loot. Ou de récupérer de la vie ou ça. Mais après, le problème, c'est qu'il faut pas se faire toucher. Ah non! Non! Et merde! Et merde! Putain, t'es obligé de se taper, connard! Chut. Bon, voilà. Bon, c'était le risque, hein, de toute façon. Putain, elle a rebondi sur les trois. C'était énorme. C'est la dernière. Et merde! J'allais dire c'est la dernière avant le coffre quoi, putain. Ouais, j'ai perdu mon pari là en gros. En gros, j'ai perdu mon pari. En plus, c'est un vieux fusil. J'aurais dû le péter le coffre, je suis con. Bon, on peut le tenter comme ça, mais. Putain, j'aurais dû y aller avec mes 4 PV, c'est là. Non, je peux pas le tenter comme ça. Si j'arrive à avoir de la chance, je peux peut-être trouver une bonne salle, quoi. Ok, mon petit pote, il va y aller. C'est bon. C'est vrai qu'en plus j'ai mes tirs qui rebondissent partout avec ça. Oh non, putain. Pas ça. Oh, il m'a trouvé de la vie. Bon, un petit peu. C'est de la chance, je peux tomber sur une salle qui remet toute ma vie. Salut Nerzy. Oh putain, le magasin. Je suis obligé d'acheter la vie là. Je peux acheter les deux ou pas? Je pense que j'achète les deux puis j'y vais. Sinon, ça va être trop compliqué. Oh, c'est dommage, je pourrais pas tester là. On va y aller, je pense pas que je pourrais. Enfin, c'est tellement tentant. Non, mais je pense qu'en plus à gauche, il va y avoir la salle de merde, je vais me prendre un coup. Écoutez, on va y aller. Puis on va croiser les doigts. Mais bon, je pense que pas avoir ce qu'il faut pour m'en sortir. Il y a de la chance de tomber sur le magasin à la fin.
J'ai utilisé mon truc pour être invincible là. Parce que j'aime pas du tout cette phase. Bon, c'est fini. Par contre, ça se recharge un peu. Mais merde! Ce qui est bien, c'est que j'ai pas trop besoin de viser avec cette arme. Pour l'instant, ça se passe bien. Ok, alors vous allez voir la phase la plus chiante arriver. La plus chiante. Ça va encore, c'est que de l'esquive. Bon, finalement, je vais peut-être m'en sortir. Oh putain, j'ai failli faire en une phase. Bon, si je meurs pas là, c'est bon. Faut pas que je panique. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est fini. C'est fini. Grâce à la lampe magique. Et oui. Grâce à la lampe magique. Et oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fin. Bah oui, merci pour le GG. Salut, empereur Jashungan. Mais oui, putain. Après tout ce temps. Après 31 heures de jeu plus. Il termine. Pour la première fois. Enter the Gungeon. Avec le pistolet du destin. Je me suicide. Ah, c'est moi qui tire en plus. Ah oui, en fait c'est le pistolet pour modifier le passé, je crois. C'est fini. C'est fini. What?